Le film s'ouvre sur un moment de séparation entre Joe et sa copine. Elle lui dit « Je m'ennuie tellement avec toi, tellement que je veux mourir. » Joe a quitté la maison à l'âge de 18 ans pour poursuivre son rêve de musicien. Mais il n'a fait aucun progrès et a commencé à sombrer dans la décadence après avoir rompu avec son ami. Un jour, son père vient le voir et lui demande de nettoyer la maison d'une tante nommée Matsuko qui avait jadis coupé les ponts avec la famille. Elle était morte dans un parc de Tokyo il y a 3 jours et l'on soupçonne un meurtre. En partant, son père fait un résumé de la vie de celle-ci, une bonne à rien qui avait mené une vie ennuyeuse. C'était des paroles très désagréables à entendre pour Sho, car lui aussi en fait l'expérience. L'officier de police lui raconte qu'elle était autrefois une excellente enseignante au collège et une bonne chanteuse. Sa vie tranquille a été brisée à l'âge de 23 ans par un petit incident. Lors d'un voyage hors du campus, le propriétaire de l'hôtel soupçonne qu'un élève lui a volé de l'argent. Le principal demande à Matsuko d'aller vérifier si c'est l'un de ses élèves.